Et salut à tous et bienvenue sur le Range Gaming Live. Comment allez-vous? Je me demande pourquoi je pose encore la question. Aujourd'hui, on va se retrouver sur, comme vous le voyez, sur Kerbal Space Program. Et on va essayer de faire comme le JDG a voulu faire, hein, d'aller sur la Lune. Sachant que, comme lui, je n'ai pas fait le tuto qui est assez insipide, donc je ne l'ai pas fait. J'ai quand même des heures de jeu derrière moi, mais voilà. Jusqu'à maintenant, je n'ai toujours pas pu atterrir sur cette foutue, sur cette foutue, sur ce foutu satellite, voilà, si on veut utiliser les bons termes. Donc là, c'est le moment de marquer le coup. Alors, on va faire une partie en bac à sable, tant qu'à faire. Hop, qu'on va appeler. Comment qu'on va l'appeler? Allez, on va l'appeler comme ceci, hein, référence Tintin. Et on va lui mettre un logo qui se la fouette. Alors, ça fera très bien l'affaire. Tac. Oui, en mode normal. On est des gens normaux ici. Il n'y a pas de raison. Alors. Parfait, ouais, c'est bon, ça je connais. Alors déjà, première étape, mais on va créer une foutue fusée. Une fusée digne de ce nom. D'ailleurs. Ouais. Ah. Je regardais au cas où s'il y avait encore mes machines de mort. Alors, on va commencer avec. Un propulseur. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui mettre comme propulseur à celui-là? Moi, d'habitude, je prends celui-là. Tac. Ouh, qu'il est beau. Magnifique, ma chérie. Alors, ensuite, ce que je fais. Oui, le temps que je me remette sur le jeu aussi, hein, puisque ça fait une plombe que j'ai pu toucher. Hein. Voilà, sale bête. Alors, il lui faut un réservoir maintenant. Alors, il est où le réservoir pour ce machin? C'est celui-là. Ouf, ouf. Repose ça, délinquant. Attendons voir. Attendons voir. Voilà. Waouh. Une belle biloute. Alors, d'ailleurs. J'ai déjà plus comment on fait. Ah, c'est bon, c'est comme ça. Voilà. On va le mettre plus bas possible. Et maintenant, on va faire la même chose sur les côtés. Alors, hop. Ah oui, c'est pas comme ça que je fais. C'est. Où est-ce qu'il est ce truc? C'est pas du couplage. Si, c'est ça. Découpleur radial. Ouais, c'est ça. Ouais, là c'est bien. On va le foutre là. Ah oui, mais. Est-ce qu'il est à la bonne hauteur aussi? Carrément pas. Ok, alors attends. Si on peut gruger le système. Ouais. Il manque un chou. Petit centimètre, là. Un chou petit centimètre de mort. Et je peux pas gruger en faisant ça? Si, je peux gruger. Oi, oi. Au millimètre près.
Alors, et de ce fait, bah, on va remettre aussi d'autres. Voilà, il faut que ça booste, il faut que ça a de la pêche. Parfait. Alors, ensuite. Ensuite, lui, on va lui mettre un deuxième réservoir. Si j'arrive à le mettre déjà. Voilà. Alors que les autres, on va leur mettre. Alors, je sais plus c'est dans quoi. C'est pas ça. Aérodynamique, voilà. Non. Non plus. Ah, voilà. Ouais, ça commence à avoir de la gueule. De ce fait, alors là, on va mettre un couplage. Alors, attends, c'est quoi déjà la différence entre un découpleur et un séparateur? Ah, je crois qu'un séparateur, ça sépare les deux. Ce qui est logique. Alors qu'un découpleur, ça n'en détache qu'un, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Donc à partir de là. Rebelote avec. Enfin, j'ai quand même réussi à caser rebelote. Hein. On le notera. Non, pas ça. C'est quoi déjà que je veux? C'est pas celui-là. Un gros propulseur ici. Il y en a un gros propulseur. Et ça, attends, c'est avec. C'est un propulseur à quoi ça? De ergol liquide. Je crois que c'est. Attends, celui-là il est grand ou pas? Non. Il est rikiki, c'est quoi ça? Voilà, alors lui c'est encore pire. C'est pas celui-là. Bah merde alors, il est où ce propulseur de con là? À moins que c'est pas un gros comme ça que j'ai mis. Enfin, que je mets d'habitude. Alors attends. Celui-là est petit. Celui-là est tout aussi petit. Ah putain, je l'ai pas supprimé. Ça, c'est mort. Pff, oh là là. Oh là là. Plus jamais que tu mets ça. Plus jamais que tu me mets ça devant le pif. Ouais, non, et là on arrive sur propulseur à air, c'est pas ça. C'est pas celui. Celui-là, il m'a l'air big, mais il veut pas se mettre. Attends, c'est ergol liquide oxydant. Ouais, non. Non, ça se met pas dessus. Et ben, ce que je vais faire, je vais mettre un plus petit découpleur. Et on va mettre. Alors, je sais plus où c'est par contre. Pas ça. Pas ça. Je crois que c'est ça. Non. Oh, non. Oui, je fais de la merde. Je vais le trouver ce propulseur à la con là. Bah en fait c'est celui-là, mais il voulait pas se mettre, mais quel connard. Je te jure. Bah de ce fait, c'est pas bon, il faut que je mette un découpleur là.
Il est où déjà ces coupleurs de mort là ? Voilà. Bah oui, que c'est ça qu'il faut faire, espèce d'idiot là. Il nous chante pâture. Alors, hop. On remet un gros comme ça. Un nouveau découpleur. Et on en refait encore un étage. Hop. Là. Voilà. Bon, déjà, on a une 3 stages, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va s'intéresser, c'est à la cabine. Alors, la cabine. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est c'est pas ça. Mettre un découpleur déjà pour découpler ce bordel. Alors. Ouais, mais attends, si je mets ça, parce que d'habitude je mets ça moi. Ça va pas découpler le bon truc aussi. Ouais, non, ça va pas si je fais ça. Faut que je fasse l'inverse. Tantôt, on verra après. Si je fais ça plus. Construire la coiffe, est-ce que ça marche si je fais ça? Pas parce qu'il y a ça qui gêne. Putain. À moins d'en mettre une plus petite. Ouais, une comme ça, c'est bien. Bon, allez. C'est là où on s'éclate. Alors, la cabine, elle ressemblera à quoi? Alors, on va mettre une belle cabine quand même. Alors pas un avion non plus hein. Ouais, celui-là il ira très bien. Hop. Auquel on va ajouter. Alors qu'est-ce qu'on va lui ajouter à ce truc? Alors une roue de direction, une roue de réaction. Linéaire ou avancée, celle-ci je crois qu'elle est à sa taille je crois, ouais, et celle-ci stabilisateur linéaire, ouais, je crois que le meilleur c'est celui-ci même s'il consomme un peu plus d'électricité, je vais le mettre de côté, hop. Ensuite, bon ça les RCS ça sera obligé qu'on en mette. Ah oui, merde, oh là là, depuis tout à l'heure, il n'y a pas le son du jeu. Pff, oh, je me disais bien que ça se passait trop bien. Bon, après, je pose juste des blocs, hein. C'est pas non plus. C'est pas non plus la folie sonore. Hein. Alors, panneau les photos de votre physique. Alors le groupe rechargeable, lui il est... Attends, celui-là il est petit donc c'est pas celui-là. Ouais non, c'était bien le premier. C'est un comme ça qu'il me faut. D'ailleurs, attends, il peut emmagasiner jusqu'à combien? 4000. Oh, si je fais 3 stacks. Ouais, ça devrait faire le café ça.
truc de communication, pas trop grand. Peut-être une simple antenne. Attends, celui-là, ça donne quoi si je le mets dessus? Attends, je vais l'essayer sur ça. Ouais. Ouais, ça prend pas plus de place que ça. Non, mais fuck. Remets-le. Repose. Lâche. Sale bête. Et le commutron, c'est quoi déjà? Ouais, c'est convenable. Ouais, on va dire que c'est convenable. Je mettrai soit ça, soit... Mais de toute façon, le reste, c'est du même gabarit. Hein. Et attends, il y a quoi comme différence? Classe d'antenne 100G. 2 mégabits de paquet et 20 mégabits de bande passante. Celui-là, il y a déjà moins de bande passante, celui-là. C'est de là, ah, il y a peut-être il peut envoyer plus de paquets lui. Peut-être plus de patates. Ouais, je mettrai peut-être ça, on verra bien. Alors un module scientifique, est-ce que ça vaut le coup? Alors ils sont grands comment les modules scientifiques? Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Pas convaincu par le bordel, mais ma foi. Alors, habitacle autostoppeur. Oh, les cabines, c'est pas la peine. Alors, convertotron. Centrale de traitement mobile pour extraire des traces infimes d'oxygène et de dioxygène. D'hydrogène. Voilà. Des matériaux bruts et décomposer les éléments combustibles utiles. Son efficacité augmente si l'ingénieur talentueux. Ouais, donc grosso modo, ça permet de fabriquer du carburant, ça. C'est grand comme ça. Et celui-là, il est un peu plus petit, ouais. Parachute. Tour de sauvetage. Alors. Cette tour à ergol solide est conçue pour arracher la capsule de commande et l'éloigner. Ouais, d'accord. Bah écoutez, je me dis que. Je me dis que ça serait peut-être plus. Enfin. Attends. Ça convertit en quelle ressource cette merde là au fait? Mono-ergol. Ah non, ça fait aussi de l'ergol liquide. Ouais. Parce que du mono-ergol. Bah un peu les couilles quoi. Ouais, ouais. Bon, allez, allez. Adjugé vendu. Hop. Advienne que pourra. Et d'ailleurs, je crois que j'ai fait une bêtise. Ça, je vais l'enlever. C'est un séparateur qu'il me faut ici. Bah, ça m'a l'air bien. Donc, on va mettre. Ça, le prems. Puis l'électricité. C'est un beau bébé ça. De ce fait, est-ce que je peux mettre des pieds ils sont où les pieds là-dessus? Les pieds d'atterrissage, les trains d'atterrissage. C'est pas là. Ça, on s'en fout. Ça s'en bat les... Non, c'est ça. Alors, jambes d'atterrissage.
celui-là, il ressemble à quoi? D'accord. Ouais, pas si mal. Je peux le mettre là? Non, là, je peux pas le mettre. Je peux pas le mettre sur le... sur le truc. Et ben, on va peut-être mettre un truc en dessous. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Sachant que ça va être lourd, donc... je suis même pas sûr de bien le faire atterrir, ce qu'on l'a. Un magnétomètre sur perche. Mignon. Il est mignon le truc. Un excavateur. Ouais, bah ça serait peut-être intelligent d'en mettre un. Un excavateur minier. Est-ce que c'est bien beau qu'on a le truc pour mettre des minerais, mais si on n'a rien pour le mettre dedans. Ouais, non, je vais peut-être mettre le. Finalement, le truc scientifique avec. Ça fait un gros bazar, mais ouais. Ouais, ça fait vraiment un gros bazar, hein. Une belle tour. Ouais, bon... on va pour ça. Par contre... ouais, c'est dans le bon sens, hein. Peut-être pas ça. Ça, c'est pas dans le bon sens. Je sais même plus comment on fait pour tourner les trucs ici. Comme ça. Ah oui, ah ouais, on va avoir un problème, Houston. Il n'y a pas d'échelle ici. Enfin, il y en a en dessous, mais... alors, en fait, il m'emmerde plus qu'autre chose, mon machin. Alors. En fait, il me casse les couilles. Ouais, là, non, mais là, là, il me casse les couilles, là. Ouais, après, un petit comme ça. J'ai peut-être pas tellement envie d'en mettre un comme ça, quoi. À moins que... ah, peut-être. Je sais pas si ça... ouais, je sais pas si ça va marcher, hein. Je crois que mon arnaque, elle va pas beaucoup fonctionner, hein. Si je fais juste... alors, si je fais ça. Hop. Ça, je le fous, là. Normalement, si j'ai bon souvenir, dans les capsules, il y a des modules de guidage. Voilà, c'est ça. Je le mets en mode auto, parce qu'il pourra atterrir tout seul. Alors, type d'antenne interne. D'accord, ça on s'en fout. Ça c'est pour la transmission de données. Charge électrique, SAS. Alors assistance de stabilité, prograde rétrograde, maintien de l'orientation radiale. Ouais, non, on va mettre un machin comme ça, hein. Ah non, lui il rikiki, c'est mort. Alors, un module de guidage tout simple. On va remettre un séparateur. Non, un plus petit quand même.
Je suis pas convaincu par mon bordel, hein. Ah non, je suis vraiment pas convaincu par mon bordel. Bon, écoute. Déjà, notre mission, c'est juste d'aller sur la Lune. On verra après pour tout ce qui est ressources. Hein. C'est mieux, j'ai pas besoin qu'ils reviennent vivants, ces gens-là. On les envoie au casse-pipe et c'est tout. Voilà. Donc, de ce fait, alors, un truc pour atterrir. C'est dans le sol. Voilà, on va mettre celui-là. Celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est... Celui-là, il envoie du pâté. Et on va en mettre partout. Alors on va quand même bien le caser, hein. Ouais, c'est pas mal. Rétracte. Hop là. J'espère que ça passera. Donc, de ce fait, alors on a un module scientifique, on a ça, on va mettre de l'électricité quand même. Alors les panneaux photovoltaïques, pareil, on fait attention. Alors j'en ai besoin d'un seul, juste pour vérifier. Non mais, oh aïe, oh l'erreur. Nul. Voilà. Oh putain. Alors, c'était un 3x2, je crois. Un 3x2, ça donne quoi? Ouais. 1x6. Pas mal. Alors oui, par contre, je crois qu'il y avait un truc. Ouais, les panneaux ne peuvent plus se rétracter. Alors que ceux-là, oui. Puis le rechargeable. Alors après il y avait le XL là. Il peut se rétracter celui-là. Ouais, allez, va pour celui-là. Va pour celui-là. On va en mettre. Alors, il faut pas que ça gêne non plus. Ah oui, c'est vrai que mon bidule il est pas là, il est pas à l'endroit. Là il y a l'endroit. Ça gêne la sortie. Ouais, c'est pas dégueu. Bon, allez, on fait pas la fine bouche, on va le mettre en haut. Voilà, ça lui fait un gros pif, mais au moins ça fait le café. Voilà. Et on
Non, pas ça. Ouh! Putain, je peux capter quelle chaîne de télé avec ça? Non, celui-là est dégueulasse. Non, celui-là est ridicule. Ouais, non, je vais le mettre là. Parce que si je fais ça. Attends, c'était lequel qui était. Ah oui! Ah non, celui-là il est. Non. Toi, tu dégages. Ouais, c'est bien ça. Je vais me mettre un poil plus haut quand même. Hop là. Alors, j'avais mis ça. Excavateur minier. Ah, c'est pas un truc manuel ça? Conçu pour extraire des. Ouais, d'accord. Foreuse astéroïde. Ah, oui, d'accord. Mais il n'y avait pas un excavateur à main? Dans science, il y a quoi? Rien de tout ça. Communication, c'est bon, c'est fait. L'électricité, c'est vu. Bon, le thermique, on s'en bat les couilles, on s'en va sur la Lune, quoi. Voilà, l'aérodynamisme, on va vérifier ça après. Charge utile, ça, on va voir ça après. Il n'y a plus de couplage après ça. Pas de structure particulière, ça, on s'en fout. S'en bat les couilles. Il manque quand même quelque chose. Là. Il manque quelque chose et j'arrive pas à foutre le dos dessus. Et bah ça me reviendra. Alors on va faire. Construire la coiffe. Hop là. On va faire une belle coiffe. Voilà. Un beau bébé. Et là. Hop. Et hop. Ouais. Ça c'est une fusée qui a la classe. Alors extension de la coiffe. Peut-être pas 6, 4. 4 c'est bien, ouais. Dégueulasse. Ah bah ils sont pas très beaux leurs variantes là. Y a même pas la couleur de la fusée de Tintin là, c'est quoi ce bordel? Honte à vous. Ouais, ah oui c'est bon, je crois avoir trouvé ce qui me manque. C'est où déjà? C'est où cette merde? Putain, si je la trouve, c'est la fête du la foire du slip là. Ah c'est là. Illuminateur. Paf. 4. 4 c'est bien. Alors, par contre si je le mets là, est-ce que ça gêne? Non, ça gêne pas la porte. Par contre. C'est. Pivoter, voilà, c'est ça. On va mettre quand même un module de science, hein, tant qu'à faire. J'ai quand même mis un truc de science, donc c'est pour que ça serve. Au moins qu'il y a tout qui est là-dedans. Alors attends. Que
interrupteur vient enregistrer la température, d'accord. Et là, on peut faire quoi là-dedans? Alors, la désinstallation de tests embarqués, du papier et un crayon pour préparer les astronautes à des tâches plus avancées, permettant de monter le niveau. D'accord. On va quand même mettre un joli thermomètre. C'est bien de toute façon. Alors, spectrovariomètre. Ça prend combien de place ça? Oh, c'est terrible. Attends, déjà des thermomètres, j'en ai mis des millions. Là. Hop là. Ouais, c'est pas plus. Conteneur réglage. Baromètre. Voilà un beau. La météorologie ici. Hop. Même si ça n'a rien à voir, mais. Bon, allez, Aerosmith. Alors, ailette basique. Une moustache. Une ailette. Alors, ailette basique, ailette delta. Elle ressemble à quoi celle-ci? Oh, elle est rikiki. Pouf. Pouf. Ça, c'est plutôt sur l'arrière, ça, je crois. Aérofrein. Ouais, mais étant donné qu'il n'y a pas d'air là-haut, ça sert à rien. Puis je veux pas freiner alors que je décolle, quoi. Ouais, ou bien non, je le laisse lisse comme ça. Ouais, ça. Pour maintenir le bignou. Hop. Ouais, par contre, je sais plus si ça tient tout seul, ce machin. Au pire, advienne que pourra. Ah, bah voilà ce que je cherche depuis tout à l'heure. Oh, bah oui, mais... Eh, c'est ça d'être débile. Oi, 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 je suis vraiment un idiot. Hein. Donc, un module de propulsion RCS. Ergol liquide. Alors, est un propulseur de contrôle d'altitude. D'attitude. Ces réacteurs sont liés aux commandes des RCS mais sont alimentés par un mélange d'ergol liquide oxydant pour une puissance bien supérieure à celle des propulseurs RCS à mono-ergol. Ouais, donc ça c'est plus pour ce qu'elle offre. Ouais, mais j'ai peur que ça consomme plus si je l'utilise. On va utiliser juste un RCS classique. Qu'on va mettre. Il y a de moins en moins de place sur cette merde là. Non, peut-être pas là quand même. Ouais, directement sur l'habitacle. Allez. Ouais, là c'est bien. Alors ça donne quoi? Ok, la masse c'est bon. Ça m'a l'air bon. Alors, attends, oui, prenons du recul. Ouais, allez, adjugé vendu, on va essayer ça. Tiens, de toute façon, on n'a pas d'autre choix. Alors, on va quand même faire du réglage.
Je sais plus dans quel sens. Je crois que c'est en bas qu'il faut que je commence. Hop. Alors, en premier lieu, c'est ce propulseur-là, puis pas celui-là déjà. Ils sont où mes autres propulseurs? Ils sont là. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est une fois que ça il n'y a plus de carburant, il faut le détacher. Attends, ils sont où ces trucs à détacher là? C'est ça? Ah oui, c'est ça. Et ben ça, ça viendra après. Donc normalement ensuite lui il y a encore du carburant, donc lui il sera détaché après. Et lui il pourra lancer, voilà, juste après ça. Donc, ouais, c'est bon ça, ok, ça va comme ça. Ensuite, redétachable, ça. Redétachable ici, puis ça. Ah, je crois savoir ce qui me manque. Parce que c'est bien beau, j'ai mis un RCS, mais j'ai pas mis un propulseur pour décélérer. Lui il est de la bonne taille, c'est bien. Un tout petit réservoir. Non, quand je dis tout petit, respecte-moi quand même quoi. Lui c'est mort. Lui trop grand. C'est ça. Il y a quoi dedans? Ergol liquide oxydant. Un seul fera l'affaire. Voilà, et une fois que c'est consommé, on remet un séparateur pour séparer le bordel. De ce fait, ça, c'est plus bon. Merde. Mais il est magnifique ce truc. Ok, alors, je reprends. Tac. Ça, ça se fait en premier, ensuite ça en second, ensuite ça en troisième, d'accord, ça jusque là tout va bien. Une fois que lui c'est, il faudrait faire l'inverse plutôt, que la cabine s'ouvre puis ensuite qu'il se détache une fois. Propulseur deux fois.
Ouais, c'est une belle bête. Ah ouais. Mmh. Ouais, bon allez. Alors, comment qu'on va l'appeler cet engin de mort là? Alors, déjà, elle s'appelle comment déjà? La fusée dans Tintin. Et bah, demandons au meilleur expert qu'il existe sur cette terre. Alors, ne bougez pas. Ok Google, comment s'appelle la fusée dans Tintin? Wow, le nom de merde. Fusée RG1. Bah oui, je suis débile. Et ben, bah oui, RG. Bah, pff, oh là là, oh l'abruti. Oi oi oi. Et bah tiens, RG2. Voilà. Elle n'y ressemble pas du tout, mais... Ou bien non. Ah, attends. Allez, on va envoyer Orange Junior dans l'espace. Hop là. Alors, équipage. Ah, j'ai que ça. Et ben, alors, pilote, ingénieur. Allez, on embauche tout le monde. De toute façon, on s'en bat les couilles. Et remplir. Ouais, je connaissais pas ça. Ah non, ça c'est le... Ouais, c'est l'éditeur d'avion, on s'en fout. Oh, aïe, aïe. Alors, action. Alors, je crois qu'il y avait un truc que je pouvais régler là-dessus. Custom 1. Équipement. Étant de rétracté. D'accord, éclairage. Activer l'éclairage. Ouais. Ouais, on va dire qu'on s'en fout un peu de ça. Bon allez, il est temps de la lancer. Oh mon Dieu! Oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une orgie qui se prépare. Oui, 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 on va régler ça avant de l'envoyer sur la Lune là. Oh là là, ça va pas du tout. Peut-être les coller ces trucs. Alors, je crois que c'est dans structure. On va faire ça. Hop. On va en mettre deux, on sait jamais. Alors, un qui va de là à là. Note qui va de là. Alors. Oh, le deuxième n'a pas marché. Ou bien attends. Ce serait peut-être plus logique si je fais. Alors là, si ça tient pas, je comprends plus rien.
Cool. Alors maintenant, on va essayer de se concentrer sur notre objectif. Alors, affiche-moi la carte. La lune. Voilà, elle est là. Définir comme cible. RCS et SAS. Alors c'est pas l'orbite que je veux, ça on s'en fout. Allez hop, on va tenter le truc. Alors on avance un peu. Ouïe, j'ai dit un peu, calmez-vous. Posez ce flingue. Attends, ça veut dire qu'elle est au-dessus là, là. Attends, moi je suis là. La lune, elle est là. Au moins que ça veut... Attends, à moins que ça veut dire qu'elle va nous passer devant là. Ouais, non, ça voulait dire que c'était bien. Ouais, c'est ça, cible. Anticipe, c'est l'autre. Trop vite. Stop. Là, c'est bien. Parfait. Ouais, elle est juste au-dessus. Alors, bah allons-y. On met les gaz à fond. Et on décolle. Quelque chose se détacher aussi bien. Ok. Alors, on va activer le bousin.
Merde, il a désactivé les... Oh, mais quel débile. Accélérer un petit peu, histoire de s'approcher un peu plus. Une manœuvre, essayer de rattraper le bordel là, puisque là on s'en va à Babel Red. Libération de la mune, c'est là. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Ok. C'est bien beau, je fais une manœuvre, mais j'espère qu'elle sert à quelque chose. De ce fait, ça a guaqué mon... Ah putain, ça a enculé mon truc là, putain, fait chier. Et ben, on va pas se faire chier. Merde, je vais...
mettre un peu de touche là encore. C'est pas très opti ce que je fais là. Wiggle, wiggle, wiggle. Je crois que j'ai vraiment fait que de la merde là. J'aurais dû faire ma manœuvre bien avant. Hop là. Bon, maintenant il faut essayer de se rattraper ici. Ok, hop. On va préparer notre manœuvre. Allez, c'est parti. Bon, avançons un petit peu. Attention, c'est là qu'on se marre. Alors, dans l'autre sens. Parce que là, je vais à une vitesse folle, là. Attention, 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 attention. Eh ben, c'est un échec. Et cuisant par ce sur le marché. Alors. Eh ben, on va recommencer un lancement. C'est bien, la fusée a l'air d'être bien, donc. Enfin.
Elle a l'air de bien fonctionner, il n'y a pas de raison. RCSSAS. Alors, la mune, elle est là. Hop, on la met. Je vais pas la mettre en mode cible tout de suite. Attention. Fais attention à ce que tu fais. Ok. Ah oui, c'est parce que je suis en accélération, je suis débile. Sont où mes trucs? Alors déjà ça je vais le mettre. Voilà, je vais le mettre comme ça. Ça on s'en fout. Ouais. Ah, il l'a mis de ce côté-là. D'accord. Bon, allez. C'est quoi ce bordel? Oula, ça. Ça gigote! On va laisser déjà stabiliser avant de le remettre là. Alors déjà, affichage, on va mettre une belle manœuvre. Position la plus proche. De la mune. Ouais, d'accord, elle sera là. Enfin, je crois. Doucement, doucement. D'accord, c'est bon. Adieu, j'ai vendu. Hop là. SAS, manœuvre.
2 minutes 30. Attention. 4, 3, 2, 1. Hop. Elle est où? Elle est là. Oh là là. Au revoir, Ren Junior. Envole-toi vers un monde sans fin. Là, on est plutôt... on est plutôt raccord sur le temps, là. Sur le timing. C'est quand même beau, putain. Oh putain, je chiale. Alors, rebelote, on va le faire tout là-haut, quoique, non, là c'est bien. Alors, pas trop non plus, sinon ça bouffe du carburant. Ah ouais, attends, je peux le voir. Ah, mais j'ai jamais remarqué, je pouvais le voir en temps réel, en fait. Je suis débile. Alors, ouais, là, c'est 39 secondes de carburant, donc ça va. Allez, hop. Et attends, là, je suis bien en... Ouais, rencontre avec... Mais par contre, elle sera loin quand même. Attends, laisse-moi voir quand même si je peux pas un tout petit peu gruger. C'est bien, on n'est pas une seconde près, hein. On n'est pas une seconde près. Alors SAS, manœuvre. Alors, 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Bien. Parfait. Alors, ça donne quoi? C'est une belle trajectoire, ça. Allez, on va voir de plus près ce que ça donne. Ah ouais, je suis loin quand même. Ouf. Ouf. On va quand même essayer de voir ce que ça donne. Hop là. Donc là, il faut que j'arrive à changer cette manœuvre là. Il faut que j'arrive à faire ça. Attends, il est bien dedans, hein. Ouais, il m'a l'air d'être bien dedans. Ok. Donc, on va attendre. C'est pas tout ça, mais c'est un peu long quand même, hein. Heureusement que j'avance le temps quand même. Hein? Parce que je sais pas que c'est chiant, mais. Je peux pas. Pourquoi je peux pas accélérer? Si tu veux. Ouh, eh, doucement, eh, délinquant. Hop là. Et là, normalement, on est en plein dedans. Donc, je sais pas pour vous, mais on va quand même avancer un peu. Encore un peu, hein, d'ailleurs. Ok. Et là, on s'amuse à atterrir sans se croûter, là. Alors, tac, rétrograde, je crois. Il a l'air de planer lui. Ouais. Hop là. Et on va mettre un léger. Attends, léger, j'ai dit. Ah bah attends, encore là, on est encore loin là.
quand même. En plus, on voit que dalle. Et on est au pire endroit. Vraiment, à l'endroit où on voit que dalle, quoi. Tout ça qu'il me faut puisqu'il n'y a pas d'eau. Allez, on est presque arrivé, plus que 2000 mètres. Sinon on ne serait pas raccord quoi, ouais. Oups. Ouais, mais là je remonte, espèce de débile.
J'ai déployé les panneaux pour dire de pas cramer de l'électricité pour rien. Oh, attention, attention de tension, espèce de délinquant. Ouais, mais de ce fait, je fais yo-yo, là, je suis débile aussi. J'ai encore failli faire de la grosse merde. Non, c'était bon. Tout doucement que tu descends, voilà. Il n'y a plus que 50 mètres là. Putain, si j'arrive à me poser, c'est Noël. Oh putain, j'ai réussi à me poser. Ah oui, mais... Ah non. Mais non. Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais je suis débile. Lâche-moi. Oh non, mais c'est quoi de cet échec de merde? Alors que j'étais arrivé à la fin. Mais putain de merde. Lâche-moi, espèce de con. Non, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Je vais devoir attendre qu'il tombe en rade. Voilà. Et c'est que maintenant qu'il se détache, espèce de connard là. Trou du cul.
Ça sent le crash à plein nez. J'ai rien pour ralentir ma descente. Quoi. Oh là là, ça, voilà, c'est bon. Hop. Putain, mais vas-y, nique sa mère. Putain, je fais tout bien comme il faut et j'arrive encore à me planter. Ça m'en prendra à mettre des turbines en plus, là. Oh, je suis vraiment débile. Eh ben, ça veut dire qu'une chose... On va reconstruire notre foutu vaisseau, là. Oui, hop. Ça, ça dégage. Après... Je pourrais quand même mettre en mettre des tout petits quoi. C'est pas bien grand ça de toute façon. Ça pousse à combien? Mille kilonewtons, lui seulement à 2. Je vais mettre ça. Moi, je vais mettre ça, ouais. Ah ouais, c'est big. Ouf. Ouf. Ouf, c'est vilain. Ouais, non, c'est... Ouais, non, c'est pas beau, ça. Ça, c'est un peu plus le mérite de pousser un peu plus, mais... Non, ça n'empêche pas que c'est de la merde, quoi. Et attends, propulseur mono-ergol. Après tout, du mono-ergol, on en a à revendre, alors... Je vais la mettre autre part. On va la mettre. Parce que moi déjà je suis débile, j'aurais dû la mettre comme ça dès le début. On y verrait là où on atterrit déjà. Droite, bon, ouais, allez, et donc, je voulais mettre celui-là. Par contre, de ce fait, ça serait peut-être intéressant de mettre un réservoir à mono-ergol. Mono, voilà, ça ressemble à ça. Réservoir externe, donut. Non. Petit comme ça.
Ouais, ça... Ouais. Ça mange pas de pain. C'est suffisant pour faire ce qu'on a à faire. Ouais. Donc, lancer. Alors, ce vaisseau ne possède aucun module de commande habité. Ah, attends, ouais. On se fait formater des gens. Ouais, là, c'est mieux. Ah, en espérant qu'on se fasse pas encore de ce fait c'est dans l'ordre. Bah non, de ce fait c'est pas dans l'ordre. Bah oui, putain. Bah oui, mais de ce fait c'est pas ça, mais putain, ça c'est en dernier ça. Ah, attends. Ça c'est en premier. Puis ouais. Ça, ça n'a rien à vous foutre avec ça. Voilà. Donc, hop. Ça, puis. Ça, ça va par hop. Ensuite, ça, ça se dégage, ça se dégage. Ensuite, c'est ça. Ça, c'est en dernier. Quasiment. Non, là. Fuck. Ok. 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 C'est bon. Non, c'est pas bon. C'est l'inverse. Celui-là, il est là. Celui-là, il est là. Ça, ça se fout là. Hop, hop. Ouais, voilà, parfait. Pff, et bah, dis donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la mune. On va quand même finir par y arriver à aller sur ce caillou de brun là. Ouais, et donc j'avance le temps. Là c'est bien. Le temps qu'il arrête de... Voilà. Arrête de trembler là. Voilà, c'est bien.
Alors ça va, petit bonhomme? Oh! Attendez, attendez, Houston. Voilà. Alors, on va faire une manœuvre comme tout à l'heure. En espérant que cette fois, ça ne foire pas. Ouais, ça me semble bien ça. Ça me semble bien. Alors, on va avancer. Si j'y arrive déjà, ou alors avancer jusqu'à l'étape suivante. Alors, 2 minutes. Hop là, alors. On va se foutre là. Là, c'est bien, ouais. Alors. Ah, c'est le joint de culasse, ça me dit dame, là. Ah, là, on peut rien faire. Ça va plus vous coûter. ça va vous coûter une fortune, c'est sûr. Ouais, là c'est. Wow, alors là, baisse trajectoire. Alors ça. Avancer jusqu'à la manœuvre suivante, hein. Qu'on teste ça tout de suite. Alors ça, si je vais pas sur la lune, je peux jouer, hein, mais j'y vais. Alors, manœuvre.
Oula, attends. Faut que je fasse gaffe là. Ça va bientôt commencer. C'est bon. Allez, c'est parti. Paf. Bah, c'est très bien. Alors ça donne quoi? Nickel. Allez hop. On avance encore un peu là. Oh, n'hésite pas, vas-y, vas-y. Vas-y mon pété, vas-y. Nickel. Alors là, ma trajectoire, bon, elle reste dégueulasse, mais au moins c'en est une de trajectoire. Paf, hop. Ouais, là, c'est... ouais, là, c'est bien, ouais. Fifu. Putain, mais ils sont sous exta, mes pilotes là. Putain. Ouais, on va mettre une seconde en plus. Combien de kilomètres là? Ouais. Alors, c'est rétrograde si j'ai bon souvenir. Ah, et puis là, je suis vraiment sur une surface éclairée. Alors là, c'est génialissime. Si là, je me foire, alors là. Attends, c'est quoi qui s'ouvre d'abord? C'est la cabine. Déjà, on va déjà l'ouvrir, au moins ce sera déjà fait. On va déployer les panneaux. Tac. Profitons qu'on est au soleil.
D'ailleurs, pareil. Bon, j'ai peut-être pas envie de les déployer maintenant, quoi. On va attendre qu'on soit à 20 000 mètres. C'est bon, ouais. On pousse là. On ralentit à fond. Ça consomme du mono-ergol déjà, ça. Je n'ai pas beaucoup. Hein. Il va falloir faire gaffe à ce que je consomme. Ouais, 2000 mètres, je verrai pour abandonner mon truc là, abandonner ma cargaison là. C'est un beau cratère dans lequel on va se poser là. Même à 1000 mètres, je pense que je peux le faire. Enfin, non, on va mettre 1500. 1500, c'est pas mal. Ouais. 1500 mètres, je largue le truc. Pas de danger.
Oi, 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 oi. Mais quel champion. Oh, mais incroyable. 20 sur 20. Alors, comment ça se passe, mes gens? Ouais, mais ils ont l'air de kiffer, hein. Bon, bah on va peut-être... On va peut-être fêter ça, hein, quand même. Hein. C'est... Ah, ça mérite un petit générique. Allez, hop. Alors, attends, y a qui dans l'équipe? Il faudrait peut-être un... Bon, de ce fait, le RCS, c'est ça, et je peux le désactiver. Ma charge électrique, elle a l'air de tenir. Ouais, bon, on va en faire sortir un. Bob Carman, il fera l'affaire. Et paf, il meurt. Alors, ce serait peut-être temps de planter un petit drapeau, mon petit. Et c'est un grand pas pour l'homme. Et c'est un petit pas pour Range Junior. Alors, plante ton drapeau. Waouh! Le nom du site. Eh ben, appelons-le Georges. Je sais pas. Georges, c'est bien. Texte sur la plaque. Bienvenue à Georges. Parfait. Alors, rapport AEV. De la carbalité de l'espace de l'univers. Avant d'être coupé par la radio, vous informant de la situation nominale. Faudrait peut-être que j'active... Il est où mon truc là? Casse-toi deux secondes toi. Voilà, c'est ça que je cherche. Attendons voir. Garde l'espérance deux secondes. J'ai un problème. Je n'ai plus de R. Encore. Non, je rigole. Bah, il marche pas mon bidule, là. Bon, écoute, tu vas retourner dans le vaisseau. Enfin, si tu arrives... C'est pas évident à gripper cette merde là. Doucement. Chope le truc. Chope. T'as pas le droit de. Ah oui, d'accord, y'a ça qui fait chier. De ce fait, je suis sûr que l'autre aussi. Tant qu'à faire. Bon, bah, désolé, my brave, mais vous ne pouvez plus monter. Mais pourtant, j'arrive encore à contrôler le truc, là, je comprends pas. Là.
Attends, il y a un bug dans la matrice. On va régler ça. Alors, parfait. Tac. Station de contrôle. Oui, blablabla. Que je veux. Parfait. Alors, il nous faut quoi? Il me faut activer ça, réactiver ça aussi, et activer enfin cette antenne de malheur. Je suis censé passer d'un... Non mais c'est pas une cible que je cherche à faire, c'est de prendre le contrôle de monsieur là. Alors... Non, c'est pas là. Quoique... Ah, peut-être que lui va me le dire. Non, rien à foutre. Pas ça, c'est pas ça que je cherche. Bon, au pire, retourne à la station de contrôle, hein. On se fait pas chier. Allez, bonhomme, il est temps de transmettre la bonne nouvelle. Faut dire à tout le monde que t'es arrivé. Et attends, est-ce que je peux mettre un... Ah non. Je me dis on pourrait se mettre en mode FPS mais non. Attends, par contre lui on peut rien faire avec. Retirer le casque, mauvaise idée. Aucun dispositif de communication à portée utilisable. Pardon. Tu te fous de ma béret là? Et ça c'est quoi? T'appelles ça comment? C'est pas une antenne peut-être? Trou du cul. Oh là là, le trou de balle, je te jure. C'est pas grave, tu vas aller là. Embarquer. Impossible d'embarquer dans un module plein. Bah oui. Ça aussi, c'est moi qui ai con de prendre, d'avoir pris tout un équipage complet, là. Et si je prends le vaisseau, est-ce que ça marche? Transférer l'équipage, transmettre de la science. Assurez-vous que l'équipage à bord soit formé à... Ah d'accord, ouais, bon, déjà ça c'est mort. Aucun scientifique à bord, vous foutez de moi là, franchement. Il est où mon scientifique là que j'avais rajouté là? Il est où ce connard? Pilote, pilote, ingénieur, pilote. Non, tu vas pas me dire que le seul gars que j'ai fait sortir, c'est le seul scientifique du groupe. Alors, attends, tu dégages. Non, tu dégages pas en fait. Voilà. Bill, tu descends. C'est bien Bill.
Va voir ton copain là. Prends les données, d'accord. Oups, annule. Alors, attends. Il y a une couille dans le pâté, ça c'est sûr. Bon, Bobby, alors, est-ce que t'es un scientifique? Oui, c'est un scientifique. Mais on le cherchait depuis tout à l'heure, il disait rien, l'enculé, là. Ou alors, rentre dans ta putain de bicoque, là. Alors, consulter les données. Est-ce qu'on peut les transmettre maintenant? Voilà. Ah, et ben voilà une bonne chose de faite. C'est quand même impressionnant de voir à quel point on est tout petit et tout ridicule. Attends, on dirait les... ça fait très Google Earth, fait comme ça. Et attends, la Terre, elle est où? Elle est là. La Terre, la seule, l'unique. Bon, bah, c'était bien. Et quelle heure? Oh, bah, pile poil le temps qu'il fallait pour y aller. Première fois que j'y arrive. Incroyable. Je sais pas combien de temps de jeu. Alors, on va même vérifier ça. Oh, ça va. 71 heures de jeu, c'est la première fois que j'arrive sur la Lune. J'ai réussi à faire que de l'orbital jusqu'à maintenant, mais là, ça va. Ah, je suis content. Bon, ça n'empêche pas que j'ai fait que de la merde, mais... Mais ça va le coup. Bon, bah, sur ce, bah, moi, je vous dis bah, à la prochaine, hein, pour de nouvelles aventures, normalement demain, hein, s'il n'y a pas de soucis. Et bah, sur ce, bonne fin d'après-midi, hein, et surtout n'oubliez pas. Hein. C'est que vous a révélé la vérité, faites-en ce que vous voulez.